C'est parti pour cette phase arrêtée. Cette déviation au-dessus. Au-dessus. Heureusement, ce n'est pas cadré, même si je pense qu'Anthony Maurice était bien présent sur cette balle. Je pense aussi qu'il était trop central, mais enfin, c'est un super, super coup de tête de la part de Čolak, parce que ça, c'est super difficile à réaliser, Mathieu. Et ça va partir dans quelques instants avec Lorenz ou Arfield. C'est Arfield finalement. Oh là, Anthony Maurice, magnifique! La claquette du gardien bruxellois, énorme! Oh, superbe. Superbe. Parler à quel point c'est faute, il ne faut pas les commettre. Arrête voilà. De toute grande classe là, de la part d'Anthony Maurice. Il faut y aller, il faut provoquer, il faut faire les bons choix. Van Zer encore. Van Zer toujours, et pourquoi pas après tout, ce ballon toujours pour l'Union avec la Poussin avec lui, ça peut déménager, la Poussin encore, oh pied de but. C'est la Poussin qui touche le ballon en dernier lieu. Ouais, tout à fait, dommage, mais je crois quand même que il y avait là aussi quand même beaucoup de laxisme pardon, du côté des Rangers, c'était une bonne action. Maurice est sorti dans un premier temps avant de se raviser. Il y a une main, c'est une main, il y a pénalty. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Que s'est-il passé là pour Van der Heijden? Il est un peu en déséquilibre, mais. Oui, c'est incontestable. Il n'a pas hésité, monsieur Sidiropoulos. On l'a vu tout de suite aussi, Mathieu. Comment voulez-vous hésiter? C'est tellement visible. Que c'est dommage! Que c'est dommage! Il n'y a pas véritablement de danger en plus! Non, c'est incroyable! Et en plus, la Poussin va intervenir. Je suis désolé, c'est impardonnable. Tavernier face à Anthony Maurice. Allez, Anthony! C'est le moment, c'est l'instant de sortir un gros arrêt. Allez, Anto, il faut le faire. Et il ne le fait pas, malheureusement. C'est 1-0. Sur, franchement, une grossière erreur, j'ai quasi envie de dire, de débutant Van der Heijden, parce qu'à ce niveau-là, ça peut pas arriver. L'Union qui encaisse un but au pire des moments, 1-0 juste avant la pause. Non, il n'y avait rien en plus, hein. Il n'y avait rien. Allez, ballon dans le paquet là, vers Tavernier. Oh, ce ballon va rentrer, non! Il y a Anthony Maurice et cette fois-ci ça rentre. C'est le Čolak. Je pense pas qu'il est hors jeu. 2-0. Pour l'instant, on file vers les prolongations. Et ce qu'ils ont bien fait en premier mi-temps, ils l'ont pas fait ici. Parce que avant que l'action se déclenche, Mathieu, je vous dis, cadrer, ne pas laisser centrer, être au porteur directement, obliger la passe latérale. Et là, il a suffi d'une fois. Une seule fois où on n'est pas sorti sur le porteur, il y a eu le décalage qui a été fait sur Tillman qui, ceci dit, donne un super ballon. On sait que ces unionistes en ont, ça s'éclaire en championnat. La semaine dernière, ils ont été énormes. Ici, ils sont devant le défi de leur vie sportive, en tout cas. Parce que là, ce sont des moments très, très délicats avec Tavernier pour un nouveau centre. C'est dégagé en première zone. Et là, il y a une frappe qui va finir par arriver. La voici, la voilà. Anthony Maurice, superbe parade. À nouveau, là, on a réussi à trouver Tavernier. Hein. Lundström pour tenter du gauche, mais Anthony Maurice, il nous sort là un arrêt de toute grande classe, vraiment. Gros arrêt. Ballon dans la boîte, ça doit être pour Anthony Maurice. Oh, et c'est pas le cas, Anthony Maurice. Aïe, 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 aïe. Pas qu'à faute. Comment est-ce possible, Anthony Maurice? Pas faute. Ah, ça ne peut pas arriver. Et malheureusement, ça tombe. Énorme erreur d'Anthony Maurice. On est franchement triste pour lui. On est triste pour les unionistes. Mais ça, à ce niveau-là, ça se paye cash directement. Et il a beau se prendre la tête, ça ne changera rien. C'est 3-0. Il saute juste à contre-temps. Il y a une anticipation. Poussin sur la droite, une fois n'est pas coutume, il y a du monde dans le grand rectangle, bien il y a du monde joué, avec une frappe qui doit venir maintenant, elle vient ou pas? Oh non! Oh non, mais qu'ils sont maladroits là, les unionistes, à Dingra. Terrible, il y avait vraiment moyen de jouer le coup, beaucoup plus de subtilité là, parce qu'il y a la place à Dingra, il se retrouve tout seul, quelques contre-favorables, mais un bon appel ici, super remise. Très bien fait, Dekker. Ouais, superbe, et là ici. Ah, il en fait un trop. Il est un peu ennuyé que ce ballon arrive dans ses pieds. Ouais, il doit peut-être la jouer en retrait, effectivement, ou enchaîner tout de suite. Très bon Burgos aussi. Mais Mathieu,
on va encore avoir une situation ou l'autre parce qu'il reste un petit peu de temps. Mais pour ça, il faut pas en prendre un quatrième maintenant. Oh, Morelos qui passe à côté. Ouais, c'est pas passé loin. Je sais pas si Kane sait ce qu'il veut faire, mais en tout cas, son action était limpide. Limpide et surtout très rapide. Il y avait hors-jeu. Ouais. Il y avait hors-jeu. Hazard, honnêtement, là, il s'est laissé complètement emporter par ses émotions. Oui, mais ceci dit, on pouvait imaginer que ce match ne se terminerait pas à 10, hein, du côté de l'Union. Ah, en tout cas, à 10 joueurs, à 11, vous m'avez compris.